au Sotogari. Deux formes de garde, une garde de type classique, si le bras droit de hockey n'est pas trop loin dans le dos et que je ne subis pas trop la force, je garde la manche. Si le bras droit de hockey est loin dans mon dos, ici, et que je suis dominé physiquement, un appui ici avec la tête et je prends la couture de la veste. Ce qui me permet et de repousser et d'attaquer dès que j'en ai envie. Attention, cette garde n'est autorisée que pour attaquer. Donc ne pas rester trop longtemps dans cette position. Uniquement le temps de l'attaque. Dans les deux types de kumikata, la main droite de Tori verrouille le col de Uke. Si le bras fort de Uke domine, Tori saisit la couture de la veste. Qui simule un mouvement avant, deux pas pour revenir sur l'arrière et le fauchage. Un, deux, trois, quatre. Au départ de l'action, Tori s'éloigne de Uke pour mieux se rapprocher. Bras puissants de Uke, repousser, passer la tête. Tori lance Ohushigari pour provoquer l'esquive de Uke et ainsi préparer son attaque forte en Osotogari. Deux formes d'appel possibles. Une première avec appel gauche et un fauchage droite de type classique. Deuxième forme avec quatre appuis, dont deux qui simulent une attaque avant. Toujours le même principe d'action-réaction sur quatre pas, avec un enchaînement en Kosotogake sur le dernier appui de Uke. Tori vient se glisser dans le dos de Uke en direction de la jambe opposée au fauchage.